Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'est vrai qu'on en avait déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos, notamment celle de Maltavel avec Reaper of Souls hein, et son destin. Et ben, on va revenir aujourd'hui un petit peu sur justement le principe de l'immortalité des démons et des anges et le cycle des réincarnations des anges et des démons. Donc pour commencer, on va aller sur le cas de figure le plus simple. J'ai construit cette vidéo comme un peu un juriste, hein, principe-exception. Commençons par le principe le plus simple, à savoir les démons, puisque leur cas de figure est assez facile à prendre en compte. Les démons, comme je vais faire un petit rappel, mais c'est la vidéo sur l'éternel conflit globalement, mais les démons sont des êtres issus du démon primordial Tassamest, ou Tatamet, vous prononcez comme vous voulez. Les sept seigneurs des enfers sont directement des têtes de Tatamès, de Tatamet, et les autres démons, du coup, sont issus du reste du corps, de ce qu'on appelle la bête ou le démon primordial. Donc, les démons vivent globalement dans les enfers et sont issus de l'endroit que l'on appelle les enfers, et donc sont directement des enfants de la création. Faut pas penser que comme c'est des démons, ils sont hors de la création, tout ça, tout ça. Non, ils ont été prévus dans la création initiale avec l'unique, à savoir Anu. Immortel, c'est le cas, hein, c'est le cas de figure pour les démons, ce sont des êtres immortels. Maintenant, immortel, c'est pas immortel dans le sens intuable. Un peu comme les elfes dans le Seigneur des Anneaux ou dans d'autres univers d'Heroic Fantasy, l'immortalité ici est plutôt une immortalité de temps, en fait. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui peuvent être tués, mais globalement qui vivent très longtemps. Et d'ailleurs, au niveau de ce qui est maladie et autres, là-dessus, je ne me prononcerai pas tant que ça, parce que globalement, ils ont l'air plus résilients que la plupart des autres créatures. Maintenant, ça veut pas forcément dire qu'ils sont pas malades, qu'ils peuvent ne pas être malades, même si c'est vrai que là-dessus, cet aspect-là a été très très peu évoqué. Et donc, il y a quand même un autre cas d'immortalité pour les démons, c'est que dans cette immortalité, donc comme on l'a dit, ils peuvent être tués, mais de toute façon, ils sont issus d'une essence démoniaque. Et cette essence démoniaque, qui est prévue lors de la création au final, hein, eh bien cette essence démoniaque va se rematérialiser. Et qu'on soit clair, cela concerne tous les types de démons. Que ce soit des seigneurs des enfers, des seigneurs démons ou des démons de merde. Eh bien, dans tous les cas, ils vont se reconstituer, vont se rematérialiser. Il faut que l'essence démoniaque se rematérialise. Et généralement, ça va mettre un certain temps. On n'a pas de temps donné, mais plus le démon est puissant, plus le temps est long. Mais ça dépend aussi de sa mort, comment sa mort est arrivée, comment ça s'est passé, etc. Donc, le temps de réincarnation, comme je l'ai dit, au niveau des démons, n'est pas fixe. On ne peut pas le dire, on ne peut pas savoir combien de temps cela met avant qu'un démon revienne. Je sais que beaucoup se disent bah, ce serait bien d'avoir une valeur propre. Par exemple, on tue un démon, il faut attendre au moins 50 ans avant qu'il revienne. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, ça dépend des époques, ça dépend de la mort, ça dépend de pas mal de trucs. Et honnêtement, je pense que c'est mieux que ce soit pas fixe. Parce que je suis le premier à vouloir des détails, mais ce genre de détails, c'est superflu. On s'en fiche, encore une fois, quel que soit en fonction de plein de conditions différentes, eh bien, on peut avoir une rematérialisation différente. Et ça, je trouve ça assez, assez logique. Et puis, ça évite les incohérences aussi, en mode, bon, bah alors, la petite grille d'apothicaire, en mode, bon, alors, ça fait 20 ans, du coup, est-ce que c'est bon, il peut revenir, il peut revenir. Ah, on va attendre l'année prochaine. 5, 4, 3, bonne année, Mephisto. Bah, voilà, c'est pas le meilleur cas de figure, donc je pense que c'est bien de pas avoir de statuer sur un délai précis. On sait que quand ils meurent, ils vont revenir. Maintenant, le temps, on sait pas. Les démons se réincarnent uniquement dans les enfers, hein, d'où ils sont issus, comme on l'a dit, hein, ce sont des êtres issus des enfers, et du coup, ils se rematérialisent dans les enfers. Depuis des temps immémoriaux, les démons meurent, hein, notamment dans l'éternel conflit, en affrontant les anges et les hosts angéliques de manière générale, et aussi au sein de leurs propres conflits, hein, puisqu'il y a énormément de conflits entre les démons. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a une vidéo qui va arriver aussi sur les hiérarchies infernales et sur les guerres civiles infernales. Je vais, alors on n'a pas énormément de détails dessus, mais j'ai prévu de faire une vidéo spécifique sur le sujet. Mais globalement, eh bien, les démons, contrairement aux anges, sont désunis, et ce qui fait que bah, ils se foutent souvent sur la gueule. Et donc, eh bien, il y a eu beaucoup de morts, même entre les démons. Et donc, même quand ils meurent en enfer, bah, ils se reconstituent en enfer. Et ça peut prendre, encore une fois, un certain temps. L'invocation humaine, ça c'est un point qui est très important, puisque globalement, comme je l'ai évoqué, ils se rematérialisent
au niveau des enfers. Ce qui fait qu'ils peuvent pas forcément se rematérialiser directement sur Sanctuaire. Donc s'ils meurent sur Sanctuaire ou dans les enfers, eh bien ils vont se rematérialiser forcément dans les enfers. Et donc, un point qui est assez intéressant, c'est que les humains vont avoir besoin de procéder à une invocation pour ramener un démon. Et du coup, ce qui est assez cool aussi, c'est que... Enfin, ce qui est assez cool, on parle de cultiste démoniaque, hein, donc c'est pas forcément très cool, mais on doit passer soit par un portail, carrément, donc tout un cercle infernal pour ouvrir une porte entre deux dimensions, ce qui est pas facile à faire du tout, hein, c'est très très compliqué à faire, il y en a pas tant que ça, des portails infernaux. Donc, généralement... Eh bien, on va privilégier la possession. La possession, c'est en gros, il va y avoir un rituel, comme pour l'ouverture d'un portail, sauf qu'en fait, on va se servir d'un hôte qui deviendra le vaisseau, en fait, hein, du démon, qui permettra au démon d'arriver, de se matérialiser dans le monde des humains, dans le monde de Sanctuaire, et de passer via le vaisseau, hein, savoir l'hôte, donc la personne sacrifiée, hein, parce que je vous laisse imaginer que quand le démon est dedans, ça rigole plus des masses. Donc... Généralement, plus le démon est puissant, donc si on parle d'un seigneur démon ou encore plus haut, un seigneur des enfers, eh bien plus l'invocation sera difficile et nécessitera de sacrifices. Alors quand je parle de sacrifices, ça peut être des sacrifices humains, bien sûr, ça peut être des sacrifices d'animaux, ça peut être des sacrifices de sang, ça peut être plein ou juste de sacrifices. Tu vends ton âme pour amener, enfin ça peut être toutes sortes de sacrifices. Mais généralement, plus le démon est puissant, plus le sacrifice va être important. La demande va être importante. Et du coup, Sanctuaire apparaît comme une zone de repli, si nécessaire. Si vous avez des partisans humains sur Sanctuaire et que ça se passe mal en enfer, éventuellement, eh bien, vous pouvez vous évacuer des enfers en allant sur Sanctuaire. Ce qui est, je peux éviter, hein, pour rigoler, je me suis imaginé, pendant les guerres civiles, des démons qui se foutent sur la gueule. S'il y a un camp qui prend le dessus, il envahit le cercle, le royaume démoniaque d'un autre seigneur, des enfers, et là, à ce moment-là, bah, il peut potentiellement spawn kill le mec, en fait. Et on a un cas de figure là-dessus, c'est Bélial. Bélial qui s'est servi de Sanctuaire comme zone de repli parce qu'il était en train de perdre contre Asmodan. Mais comme je l'ai dit, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, mais du coup, eh bien, ça peut éviter le spawn kill, en fait, hein, tout simplement. Et on pourrait se faire enfermer par un ennemi. Donc, on a vu le principe de la résurrection démoniaque. Globalement, vous tuez un démon, il reviendra. Dans les enfers et il faudra ensuite qu'il procède à des sacrifices ou autres, éventuellement pour revenir sur Sanctuaire normalement. Mais le truc, c'est que y a des exceptions. Évidemment, tout principe a des exceptions. Ça ne veut pas dire que le principe est caduque, hein, ça veut juste dire que de manière générale, c'est le principe qui s'applique. Et il y a des cas exceptionnels. Alors, concrètement, des exceptions aux démons, il n'y a pas de démon, en tout cas pas à ma connaissance, de démon qui est mort définitivement. Je vais y revenir juste après, ça c'est un truc qu'on nous avait vendu à Diablo 2, mais on a une exception, ou j'ai envie de dire un alinéa à ce principe, c'est que on peut bloquer le cycle de résurrection du démon. Ça veut pas dire qu'il est tuable, ça veut juste dire, enfin tuable indéfiniment, ça veut juste dire qu'on peut bloquer son cycle de résurrection. Ce blocage de cycle de résurrection, vous l'avez vu dans tous les opus de Diablo, j'ai envie de dire, puisque ça va être d'enfermer un démon ou le lier spécifiquement à un endroit. Par exemple, dans je crois que c'était la vidéo de présentation que j'avais déjà passée dans l'Éternel Conflit et autres, c'est globalement, bah, par exemple, un des plans qui avait été prévu pour éviter que Diablo respawn, c'était que le Conseil des Anguirris l'enferme quelque part. Finalement, bon, Imperius l'a empalé, mais c'était un cas de figure. Le problème, c'est qu'évidemment, des seigneurs des enfers juste enfermés à un rocher, ça marche pas des masses, ils vont à un moment donné se libérer. Donc, ce que Tyrael avait prévu, c'est tout simplement eh bien, de tuer le démon, mais au préalable d'utiliser un artefact extrêmement puissant, à savoir les pierres d'âme, des pierres issues de la pierre monde, des fragments de la pierre monde, dans lesquels on va marquer par une cérémonie qui est comme une invocation, mais on va marquer l'âme du démon à cette pierre-là pour que en fait, la pierre serve de réceptacle à l'essence démoniaque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, eh bien, en enfermant l'essence démoniaque, quand on a tué le démon, au lieu que l'essence reparte vers les enfers, eh bien, en fait, elle va être récupérée. On va faire une espèce de système, une espèce de dérivation qui va l'emmener vers la pierre. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, eh bien, la pierre marquée va bloquer l'essence du démon dedans, et comme il est sous sa forme d'essence, il ne s'est pas reconstitué, eh bien il va être beaucoup plus affaibli et du coup il ne pourra pas se libérer aussi facilement que si on l'avait juste attaché à un poteau. Et ça, c'est très intéressant. Alors,
Évidemment, c'est pas une mesure long terme. C'est pas, mais le truc, c'est qu'un cycle de résurrection, bah bon, bah vous le butez et dans quelques années, il revient. Donc le principe, c'est que justement, cette méthode, qui a des failles bien entendu, fait que c'est une solution moyen terme. C'est-à-dire que au lieu de devoir attendre, je sais pas, une vingtaine ou une cinquantaine d'années que le démon revienne, bah là, on peut l'enfermer pendant des siècles, en fait. Et plus le démon est puissant, plus évidemment, il va se libérer. Mais ça reste une mesure qui a fait ses preuves, même si bien sûr. Il faudra réaffirmer les barrières parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, eh bien le démon va forcément s'en sortir. Il va reprendre ses forces et du coup, tel un poisson qui serait trop grand pour son aquarium, eh bien l'aquarium va péter à un moment donné, quoi. La pierre, l'essence grandit, grandit, grandit et du coup, la pierre ne pourra plus le retenir. Ça, c'est le point. Donc on doit marquer la pierre d'âme. Alors je parle de pierre d'âme, il y a d'autres dans le lore de Diablo, il y a d'autres solutions que la pierre d'âme. La pierre d'âme étant la meilleure solution et celle auquel les joueurs ont été le plus, on va dire, ont été le plus confrontés. Mais par exemple dans les romans, livres, il y a d'autres gemmes, d'autres artefacts magiques qui ont permis aussi de bloquer et de bannir des démons un peu plus inférieurs. En l'occurrence, ce marquage, comme je l'ai dit, c'est une sorte d'invocation. Et forcément, il se libérera tôt ou tard. Maintenant, il peut se libérer de plusieurs manières. Soit il se libère carrément en pétant la pierre, hein, c'est rarement arrivé, mais il peut se libérer en pétant la pierre. Soit en utilisant en fait un tierce, une personne, généralement un être humain, un membre extérieur qui va venir et qu'il va réussir à amadouer en lui promettant des choses. Et finalement, eh bien, il va se servir de cette personne comme hôte, et finalement, eh bien, la pierre sera encore plus affaiblie puisqu'il va posséder la personne. Ça, vous l'avez vu avec Mephisto et Sankekour, vous l'avez vu avec Baal, avec Talrasha, et vous l'avez vu avec Diablo, avec Albrecht, Léoric, Albrecht, Aidan. Et donc, eh bien, il va pouvoir se libérer en possédant une autre personne et petit à petit, eh bien, aussi reprendre des forces. Après, un individu a déjà servi de pierre d'âme, c'est le cas de Talrasha, où la pierre d'âme de Baal était affaiblie, et il a renforcé la pierre d'âme avec sa propre puissance et des artefacts extérieurs et autres qui l'ont permis de canaliser Baal pendant des siècles. Maintenant, c'est compliqué. Et du coup, bah aussi, la possession va servir à fragiliser la pierre, même si le démon reste marqué par sa pierre. C'est le cas de Baal avec Talrasha aussi, qu'il porte du coup en collier, en pendentif dans Lord of Destruction. Donc voilà pour ce qui est globalement du cycle démoniaque. J'avais évoqué le fait que Diablo 2 avait essayé de nous vendre une mort définitive des démons, puisque dans Diablo 2, on a essayé de tuer complètement un démon en l'enfermant dans sa pierre, puis de la transporter, cette pierre, en enfer, dans le royaume démoniaque de Baal, en utilisant la forge de la destruction, qui oblitère absolument tout. Et l'idée, c'était de détruire la pierre à la forge de la destruction, comme ça. Plus d'âme, puisque l'âme aurait été envoyée vers le néant, vers l'abîme, pour détruire définitivement l'essence démoniaque. Alors ça, on va pas se mentir, déjà dans Diablo 1, c'était évoqué le fait que les démons étaient immortels, et donc je trouve que Diablo 2 là-dessus a fait un peu de la merde. Alors vous allez me dire, c'est pas bien, parce que c'est sûr, est-ce que ce serait pas l'après qui aurait retconné ça? En fait, le truc, c'est que c'était déjà évoqué que c'était des êtres immortels, et Tyrael, tout comme les Oradrim, parce que c'est Descartes qui nous en parle aussi. Enfin, je veux dire, ils se sont jamais servis de la pierre, enfin de la forge de la destruction. Donc, le problème, je dirais que Diablo 2 aurait pu émettre une hypothèse. Alors que si on joue à Diablo 2, j'ai rejoué à Diablo 2 avec Resurrected, c'est vraiment un fait, c'est factuel. C'est, ah ouais, la forge de la destruction, on va l'utiliser, on va détruire la pierre, hop, c'est gagné. Mais t'en sais rien en fait. C'est un cas de figure qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc, tu as peut-être la conviction que ça va marcher, mais le conditionnel. Et là, Tyrael, en fait, il était sur Twitter et il ne connaît pas ce temps, en fait. Donc, il affirme des trucs, sauf que c'était évident que ça marcherait pas. C'est-à-dire, le manuel de Diablo 1 nous le rappelle, etc. Donc, c'est vrai que je trouve c'est un peu dommage dans Diablo 2. Ça donne l'impression que Diablo 3 a retconné Diablo 2, alors que, bah, au final, Diablo 2, je trouve, a très très mal formulé les choses. Ça, c'est pas le seul cas de figure, bien sûr, mais a très mal formulé les choses parce que c'était une hypothèse. Ça donne, et au final, quand tu lis, ça donne l'impression que oui, c'est comme ça que ça va se passer, ça va détruire et bam, bam, les âmes vont se barrer. Donc je pense qu'il aurait peut-être fallu nuancer le propos à l'époque. Mais bon, au final, ça n'a pas marché. On le sait, ils sont revenus. Ensuite, Adria a marqué la pierre d'âme noire sur les âmes des sept seigneurs, enfin pas des sept, des cinq. Du coup, puisque le 6e et le 7e, elle le fait directement dans Diablo 3 avec Belial et Asmodan. Mais du coup, eh bien, elle a marqué les autres qui étaient en train
de flotter un peu partout et elle les a récupérés donc dans la pierre d'âme noire. Au final, nous allons pouvoir maintenant, ça c'était le principe des démons et les exceptions, même s'il y a pas, c'est pas vraiment une exception en soi, c'est plus un blocage du principe. Nous allons pouvoir attaquer maintenant la partie un peu plus compliquée, à savoir le principe et exception du cycle de résurrection des anges. Puisque pour les anges, accrochez-vous bien, on a vu que les démons, on les tue, ils reviennent. Eh bien pour les anges, c'est à peu près ça, mais ça diffère. Pour le coup, le manuel Diablo 1 nous a toujours évoqué le fait que les anges et les démons sont des êtres immortels, etc. L'éternel conflit, ça fait des millions d'années, voire des milliards, on ne sait pas trop, qu'ils s'affrontent, qu'ils se tuent, qu'ils reviennent, qu'ils se retuent, d'où l'éternel conflit. Quoi. Vous tuez des anges, ils reviennent, vous tuez des démons, ils reviennent. Et puisque, au final, les anges, là où on a vu que les démons étaient issus de Tathamet ou Tassamet, est en fait une représentation négative de l'unique, du dieu Anu. Encore une fois, l'éternel conflit. Donc au final, ils sont tous issus d'Anu, vu que les démons sont issus de Tathamet et des sept têtes de Tathamet, tout ça, alors que les anges sont issus d'Anu. Mais en fait, du coup, c'est des cousins. En gros, les démons et les anges sont des cousins. C'est toute une histoire de famille, hein, évidemment. Et, puisque, c'est encore une fois, Tathamet est la représentation négative d'Anu. Et donc, les anges sont immortels comme les démons. C'est-à-dire qu'ils vivent indéfiniment. Et en plus, on a des détails là-dessus grâce à Diablo 3. C'est qu'ils n'ont pas faim, ils ne mangent pas, ils n'ont pas de sommeil, etc. Donc, petite anecdote, il n'y a pas de lit dans les cieux. Et ça durant des éons. On sait pas si par contre ils ont quand même besoin. On sait quand même que les anges ont des besoins, notamment d'harmonie, de chant, de lumière, d'art, de musique, etc. Mais on sait pas si c'est quelque chose de vital ou si c'est juste quelque chose de culturel, histoire de passer le temps et autres. Ça on sait pas trop. On sait pas trop si c'est un besoin physiologique ou si c'est juste un divertissement, quoi. Ça on sait pas trop. Et donc, là, vous vous dites, ça va, Amalga, tu nous as dit que c'était compliqué, au final, non. Eh bien, le cycle des réincarnations des anges va être complexifié et détaillé dans ce super bouquin. J'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais je vous le conseille. J'en ferai une un jour. Storm of Light, Tempête de Lumière, qui apparemment est encore édité, mais des fois, je sais pas trop ce qu'il en est. J'ai pas regardé récemment, mais on m'avait dit qu'il était plus édité, mais qu'il est édité quand même, c'est un bordel. Mais dans tous les cas, eh bien, ce livre est super intéressant puisqu'il fait la jonction entre Diablo 3 et Diablo 3 Reaper of Souls. Et nous avons et du coup un cycle de réincarnation. En fait, c'est la première fois. Diablo 3 est celui qui s'intéresse le plus aux anges, ce qui lui a donné ce cas de figure où on a l'impression que c'est pas aussi dark, puisque on va dans les cieux, la lumière, tout ça. Et bien dans ce roman, nous avons tout simplement une précision sur le cycle de réincarnation des anges, puisqu'on apprend qu'ils sont effectivement immortels, et donc ils vivent très 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 longtemps, et quand ils sont tués, parce qu'il y a eu des morts bien sûr, pendant l'éternel conflit, probablement ça se compte en millions, en milliards éventuellement, tout dépend du temps, donc ils reviennent aussi. Mais le principe, c'est qu'ils ont aussi une essence comme les démons, sauf qu'au lieu d'être une essence démoniaque, c'est une essence angélique. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur les Néphalem qui ont 50% d'essence démoniaque, 50% d'essence angélique. Eh bien, les anges, eux, ont une essence angélique. Et du coup, eh bien, cette essence va aussi se réincarner, se rematérialiser. Et là, eh bien, on va parler du cycle de réincarnation qui est très précis. Puisqu'un ange est un être de lumière pure. Son sang est de la lumière sous forme liquide. Et donc, eh bien, lorsqu'il est blessé, c'est pour ça que je vous ai mis ce petit gif avec Imperius qui se bat contre Diablo dans Diablo 3, on voit en fait qu'il saigne. Alors il n'est pas mort, mais on voit qu'il saigne de la lumière en fait sous forme liquide, et donc l'armure n'étant là que pour protéger l'enveloppe charnelle. Alors c'est une enveloppe un peu particulière parce que c'est pas tout à fait physique, parce que ce sont des êtres de lumière, mais c'est la matérialisation la plus physique de la lumière, sans pour autant être un corps humain entre guillemets. Donc ça reste pour en gros l'armure est là pour protéger leur forme physique, mais c'est une forme physique un peu particulière. Mais on sait qu'ils ont du sang puisque c'est du sang de lumière sous forme liquide. Donc en gros le corps c'est une lumière sous forme solide, mais ça reste un peu ésotérique, un mi-gazeux mi-solide. Et ils ont quand même du sang qui coule dans les veines, on va dire. On sait pas vraiment sinon des veines. C'est cette espèce de liquide blanchâtre qui est de la lumière sous forme liquide. Maintenant, si un ange est tué au combat, où va son essence? Eh bien, elle va à un endroit qui s'appelle l'Arche de Cristal. Cette essence va se réincarner dans les cieux, dans donc la cité d'argent, la capitale des cieux. Et dans la cité d'argent, vous avez cette grande tour qui est pas juste là pour ça, pour être
pas juste là pour montrer qu'ils ont quelque chose à compenser. Et l'objectif, c'est du coup tout simplement eh bien, l'endroit de la création, puisque on l'appelle généralement l'échine d'Anu, hein, donc le créateur, l'unique, tout ça, tout ça. Et en fait, eh bien, au sommet de cette tour qui s'appelle la cime d'argent, eh bien, il y a une arche tout au sommet. Cette arche est l'endroit le plus sacré de la création pour les anges et l'endroit le plus sacré des cieux, à savoir eh bien, l'arche de cristal. C'est tout simplement l'arche de cristal qui est, contrairement aux démons, où on ne sait pas vraiment où leur essence se reconstitue, on sait que c'est en enfer, mais on n'a pas d'endroit spécifique, on ne sait pas si vraiment c'est... Genre, il y a par exemple les bassins infernaux où ils ressortent tous de là, ça n'a pas l'air d'être... En tout cas, on n'a pas de détails pour ça, pour les démons, on ne sait pas vraiment s'il y a un endroit centré où chacun retourne dans son royaume respectif, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Pour le coup, les anges, c'est vraiment codifié à ce niveau-là, puisque on a tout simplement donc l'arche de cristal, et si jamais du coup l'arche de cristal est détruite, qui était le projet de Diablo en tant que démon primordial dans Diablo 3, et eh bien si à ce moment-là cette arche est détruite, tous les anges sont liés à cette arche, et du coup le cycle de réincarnation serait brisé du côté des anges. Et c'est pour ça eh bien, que les anges se battent de corps et âme pour éviter que l'arche soit détruite, évidemment. Et bien que l'essence se rematérialise dans l'arche, contrairement aux démons, ce n'est pas le même être qui ressort. Et ça, c'est un truc très important. Les deux sont immortels, les deux voient leur essence se rematérialiser dans leur domaine respectif. Mais là où les démons, bah, vous tuez Mephisto, il revient en Mephisto, les anges, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est là où ça va devenir compliqué, parce que jusqu'à présent, vous dites ça va. C'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que un ange, quand il meurt, son essence retourne à l'arche de cristal, se rematérialise. Il y a toute une cérémonie, notamment qui inclut une chanson, etc., où un nouvel ange va naître. C'est vraiment une naissance, hein. Et il y a tout un chant, etc., une mélodie pour accompagner la naissance, pour matérialiser la lumière sous forme de nouvel être, un ange. Mais le truc, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le nouvel ange qui va naître aura, en gros, alors, il n'aura pas les souvenirs, mais en gros, il partage en commun avec l'ancien ange. Donc ce n'est pas la nouvelle personne, mais au final, par exemple, si c'est un ange de Tyrael qui est mort, eh bien quand il reviendra, il sera de nouveau un ange lié à la justice. Sauf que cet ange, eh bien éventuellement, c'est pas le même en gros, c'est pas tout à fait le même. Il a la même globalement, ils partagent la même essence, mais ce n'a fait pas le même individu. Donc, en gros, pour que ce soit plus simple, je considère que, pour que ce soit vraiment clair, c'est comme si c'était un enfant. Si vous faites un enfant, eh bien, il va avoir vos gènes, votre ADN, votre essence, etc. Il aura des traits communs avec vous, mais c'est pas pour autant que c'est votre clone à 100%, et c'est pas pour autant qu'il va avoir vos souvenirs, etc. C'est un peu le même délire. C'est un peu le même délire ici, c'est-à-dire que l'ange partage quelque chose en commun, des traits communs, une essence commune, mais au final, c'est pas une copie à l'identique. Et ça, c'est super important. Il n'a pas les mêmes souvenirs et tout. Et par contre, il va quand même avoir des traits particuliers. Encore une fois, il va faire partie de même ordre que que l'ange qui est mort et qui a laissé la vie au prochain. Donc, encore une fois, c'est un ange, j'ai parlé de justice, mais si par exemple c'est un Luminarei, donc les anges de la vaillance, de la bravoure, les anges sous Imperius, bah, le mec, s'il meurt au combat, ce qui arrive souvent pour eux, même si c'est les meilleurs guerriers, et bah, il revient en tant que Luminarei, donc en ange de la bravoure et de la vaillance. Donc ça, c'est assez important. Et Storm of Light nous précise quelque chose, c'est qu'il y a évidemment des exceptions. Et contrairement aux démons, c'est pas vraiment des exceptions, plus des cas de figure pour bloquer le principe, les anges, on a des exceptions. Quelques-unes, une poignée d'exceptions et pas les moindres. Donc, nous venons de voir le principe des anges, ce qui fait évidemment que bah, quand vous tuez un ange, si c'est un nouvel ange qui naît, bah, il va falloir le former, il va falloir lui réapprendre plein de choses. C'est comme un bébé en fait, hein, faut tout lui réapprendre. Ce qui fait que, on va pas se mentir, le cycle de résurrection entre les anges et les démons, c'est pas tout à fait égalitaire, puisque bah, le démon lui revient avec tous ses souvenirs, etc. L'ange, lui, il faut le former. Il y a une nouvelle formation à faire. Donc c'est comme si on s'occupait d'enfants. La différence que je trouve très intéressante, que j'avais évoquée au début, c'est que le cycle montre un peu plus la différence, aussi je dirais, d'essence entre les démons et les anges. Puisque pour le coup, les démons, on les a vus, ils sont désunis, ils ne sont pas ordonnés. Ça leur arrive de tous être ligués contre le même ennemi, mais souvent ils se foutent sur la gueule entre eux. Et le démon revient tel qu'il est.
il y a le côté égoïste, le côté individualiste, le côté égo dans son sens le plus propre, le plus pur. C'est-à-dire que vous le tuez, il va le revenir sous la même forme. Alors que l'ange, les anges, c'est vraiment le conseil Zangiri, si vous avez vu mes vidéos, c'est littéralement les cinq doigts de la main qui forment un point. Uni, l'union, l'unification, l'ordre, etc. Là où les démons, c'est le chaos, la destruction, le désordre, et du coup qui sont extrêmement individualistes, quitte à se trahir les uns entre les autres, etc. Les anges ont toujours été unis. Et il y a cette espèce de mélodie, cette espèce de cœur de chant, il y a toujours la métaphore d'une chorale en fait. Et l'idée que tous doivent servir ensemble en même temps, au niveau du même ton, etc. Et donc, eh bien, il y a le côté groupe en fait. C'est vraiment l'individu contre le groupe en termes de particularité d'essence. Et au final, eh bien, on a une exception à cela. C'est aussi dans Storm of Light où on nous en parle, hein, donc Tempête de Justice. C'est Tyrael. Tyrael, l'aspect de la justice, l'un des cinq archanges du Conseil Zangiris, lorsqu'il est mort à Diablo 2 en se sacrifiant pour éviter que la pierre monde ne soit corrompue par Baal et du coup ne corrompe toute l'humanité, eh bien Tyrael s'est suicidé, a sanctifié la pierre en faisant péter la pierre. Le problème, c'est que du coup il aurait dû mourir et revenir, si le principe est compris, revenir en tant qu'un nouvel ange qui aurait l'essence de Tyrael mais qui ne serait pas vraiment Tyrael. Eh bien, Tyrael est le premier ange à être né tel quel. Alors évidemment, Tyrael n'est pas n'importe quel ange. Alors ce qui explique d'ailleurs, ce qui nous explique par défaut aussi que le Conseil Zangiris n'a jamais connu la mort dans l'éternel conflit, ce qui montre à quel point ils sont badass, parce que Tyrael s'est déjà battu contre les Seigneurs des Enfers, Imperius aussi, Itheraël, Maltael et Auriel aussi, donc c'est quand même quelque chose de particulier. Et au final, eh bien, personne du Conseil Zangiris n'est mort par le passé. Puisque s'il était mort, eh bien, il serait revenu. Et du coup, on aurait connu une exception. Il n'y a jamais eu cette exception. Tyrael est le premier range à se rematérialiser tel quel. Et donc, bah, il y a pas mal de questions qui se posent là-dessus. Parce que ça crée un précédent. Il n'y avait pas de précédent avant, donc ça crée un précédent. Est-ce que c'est le rôle d'aspect? Est-ce que c'est le fait que ce soit un aspect, l'un des cinq aspects d'Anu, à savoir la justice ici? Comme il a été vaincu, il revient sous la même forme? Ou alors, est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est juste une exception? Quelque chose qui n'est pas prévu. On va y revenir après parce que c'est quelque chose de très important. Donc en fait, est-ce que c'est une nouvelle règle? Est-ce que un aspect va forcément se rematérialiser contrairement aux autres anges qui vont juste faire naître un enfant, entre guillemets? Ou alors, est-ce que c'est vraiment une exception totale et que si un autre archange mourait, bah, ça se passerait différemment. Ça va être très très intéressant, notamment après. Tyrael est le champion de l'exception, puisqu'il y a un autre cas de figure. C'est que Tyrael, c'est le premier ange qui est devenu un humain, qui est devenu un mortel. Ça aussi, ça n'a jamais été vu avant. On a vu des anges, comme Inarius et ses fidèles, qui ont, notamment Lycander, qui ont choisi de créer Sanctuaire en s'associant avec les démons, s'unissant avec leurs cousins avec les démons pour former de nouveaux êtres qu'on appelle les Néphalèmes, hein, les humains. Sauf qu'au final, aucun ange n'est devenu un humain avec 100% d'essence angélique. Vidéo sur les Néphalèmes. Donc, en fait, si jamais Tyrael en tant qu'humain avec 100% d'essence angélique meurt, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que s'il meurt, il retourne aux cieux? Pour le coup, Storm of Light nous évoque le fait que même si c'est un humain, il n'a pas perdu son essence angélique et qu'il y a un nouvel ange qui est né à sa place. Pour le coup, ça, Storm of Light ne nous en parle pas, donc ça exclut cette possibilité. Par contre, s'il meurt, sachant qu'il est mortel, il a besoin de se nourrir, il sent la fatigue, etc. Donc il va peut-être vivre plus longtemps que les êtres humains normaux, mais il y a de grandes chances qu'il va mourir un jour ou l'autre. Et du coup, lui-même se pose la question dans Storm of Light, quand je vais mourir, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je retournerai aux cieux comme les autres anges ou est-ce que je vais aller là où les humains vont, c'est-à-dire, on sait pas. Du coup, eh bien, ce cas de figure est très intéressant. Et encore une fois, il n'y a pas de précédent. On peut pas se dire, on va pas... Moi, généralement, quand j'émets des hypothèses ou des théories, il faut toujours s'accrocher sur quelque chose de tangible et donc des précédents. Est-ce qu'on a un cas de figure similaire qui pourrait nous permettre de savoir où on va? Eh bien, avec Tyrael, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas. Il crée de nouvelles choses, Tyrael. Hein. Premier archange à mourir, premier archange à se recréer sous sa forme, sous sa même forme, et premier ange à devenir un humain. Du coup, on est complètement en eau trouble avec Tyrael, on ne sait pas où ça va.
Et ce qui est génial, c'est que les exceptions avec Tyrael, elles continuent. Alors, c'est pas lui directement. On a Inarius, bien sûr, qui a créé les Néphalèmes. Et je rappelle qu'Inarius était le bras droit de Tyrael. Mais on a un autre bras droit de Tyrael, à savoir Izual, qui lui aussi, eh bien, fait partie des exceptions. C'est-à-dire que Tyrael est un... Tyrael avait comme bras droit Izual, et Izual est un ange corrompu qui est devenu un démon. Alors, c'est une exception sans être très complexe. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, mais je trouvais ça drôle de commencer par Tyrael et d'expliquer que Tyrael, il est toujours dans les exceptions, puisque globalement, Izual, c'est un ange qui a été torturé, etc., et qui a été corrompu, devenant un démon. Alors, pour être exact, à la base, Izual, c'est un ange enfermé dans un corps, dans une entité démoniaque. Une espèce d'entité démoniaque de chair, mais sans essence démoniaque, dans lequel on a plongé Izual, qui a fait de lui un ange démoniaque. Mais on pourrait se dire du coup qu'il reste un ange et que son essence va revenir si on tue Izual. On l'a tué dans Diablo 2, il est revenu dans Diablo 3 en tant que démon. Donc visiblement Izual est vraiment, et il a choisi de devenir un démon. Ça c'est aussi très important, c'est pas juste un ange torturé, c'est pas un ange déchu, enfin techniquement c'est un ange déchu, mais je veux dire c'est pas un ange qui a été torturé et qui est forcé. Pour le coup il a choisi de rejoindre les démons. Après torture certes, mais il a choisi de rejoindre les démons. Donc, il est revenu, il a inversé le processus, c'est-à-dire qu'il a laissé passer son côté angélique et est devenu un démon. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que son essence est repartie quand même, son essence angélique est repartie, ou est-ce que son essence angélique a totalement été corrompue en essence démoniaque? Ça, on ne sait pas. Pour le coup, Storm of Light n'a pas trop parlé de ce cas de figure. Mais dans tous les cas, c'est devenu un démon, vu qu'il a le cycle de réincarnation des démons dans Diablo 3. Maintenant, il y a une autre situation, qui n'est pas encore une exception, mais qui pourrait être une exception future. En effet, je pense que beaucoup vont regarder cette vidéo pour cette personne, pour cet individu, Maltael. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Reaper of Souls, mais l'archange Maltael est mort à la fin de Reaper of Souls, en tant qu'archange de la mort. À la base, il était l'archange de la sagesse, il est devenu l'archange de la mort. Est-ce que cela va-t-il créer une exception? Puisque, eh bien, tout sauf indiquer qu'il, si on suit le principe, qu'il sera réincarné dans les cieux. Sauf si, on va y revenir, il y a donc trois possibilités. Théoriquement, il y en a même quatre. Mais je vais complètement exclure la quatrième, puisque l'idée c'est, est-ce que ce serait pas comme Izual, en mode, son essence a été changée, et du coup il est devenu démon, puisque il s'est lié avec les essences démoniaques des sept seigneurs des enfers, tout ça. Ça semble pas être un démon quand on le combat dans Reaper of Souls, donc je n'y crois pas. J'écarte complètement cette possibilité. Donc ça, c'est pour ça que je garde que vraiment trois possibilités, parce que celle-là me semble très 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 nulle, mais aussi complètement lunaire, on va dire. Donc vraiment trois possibilités. Premièrement, en devenant l'archange de la mort, il a transcendé son statut d'archange et il est devenu quelque chose d'autre. Et donc, il est sorti du cycle de réincarnation des anges et à son propre cycle, mais à ce moment-là, celui-là, on ne le connaît pas, puisque on est complètement dans l'inconnu, on est, encore une fois, en eau trouble, un peu comme Tyrael. Soit son essence revient pour créer un nouvel ange. À ce moment-là, nous sommes dans le cas de figure du principe. Ce serait l'enfant de Maltael, entre guillemets, qui pourrait être une femme aussi, du coup, prendre Maltael femme. Et à ce moment-là, il deviendrait, parce que ça, on le sait, les anges, comme je l'ai dit, reprennent leur poste, on va dire, au sein des cinq aspects, donc il deviendrait du coup un nouvel ange de la sagesse. Mais comme c'est un archange et que aucun archange est mort par le passé, est-ce que son enfant deviendrait l'archange de la sagesse? Ça on sait pas trop. Et nouveau principe éventuellement, ce qui pourrait être une seconde exception. Alors soit c'est deux exceptions, soit ça crée... Mais bon, deux exceptions qui sont identiques, ça commence à créer un nouveau principe. Peut-être que le nouveau principe, c'est que les archanges, en fait, les cinq aspects, reviennent en cas de mort. Et à ce moment-là, le Maltael qu'on a vaincu dans Reaper of Souls, il revient tel quel en Maltael dans les cieux. Et là, ça va être problématique. Là, ça va être compliqué. Parce qu'à mon avis, s'il revient... Alors, il peut tout à fait, par son expérience de la mort, l'avoir fait changer, mais théoriquement, on pourrait se dire, ça sent mauvais, ça sent très très mauvais. Donc si c'est son enfant, son essence, on pourrait se dire que c'est pas tout à fait le même chemin que Maltael, il pourrait arriver à une conclusion différente. Si c'est le même, il y a de grandes chances que ça se passe mal.
Maintenant, je vais arriver à une partie de la vidéo qui va spoiler si vous n'avez pas fini Diablo 4. Puisque je vais répondre à deux autres questions dans cette vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu, arrêtez-vous ici. Si vous n'avez pas fini Diablo 4, arrêtez-vous ici. Sinon, on continue avec deux cas de figure éventuels qui rentrent dans le cas exceptionnel pour l'un et le cas... Enfin, on va étudier un petit peu ces sujets-là. Commençons donc par Lilith ou Lilis. Lilis est une démone, donc un démon avec essence démoniaque et tout ce qui va avec. En tant que démon, eh bien, elle n'a pas changé à ce niveau-là. Elle devrait se reconstituer dans les enfers. La fin de Diablo 4 là-dessus est, je trouve... Alors, j'ai vu que certains de mes viewers avaient l'impression que c'était assez trouble. Je sais pas si c'est juste que le cycle de réincarnation des démons n'était pas tout à fait maîtrisé ou pas. Mais, globalement, avec ce qu'on vient de voir, bah, elle va se recréer. Et je trouve que, personnellement, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche, puisque, globalement, on a quand même, à la base, dans l'acte 4, créé une pierre... Acte 4 et acte 5, pardon. Acte 5. Créé une pierre d'âme pour pouvoir, en marquant cette pierre d'âme avec la haine, c'était à la base prévu pour enfermer Lilith. Donc si on enferme Lilith, c'est pour éviter qu'elle se réincarne. Sinon, ça sert à rien de l'enfermer dans une pierre. Si on peut juste la tuer et qu'elle revient pas, bon bah on la tue et c'est tout. Donc s'il y avait l'ambition de créer une pierre, c'était pour bloquer son cycle de réincarnation en fait, passivement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle le dit aussi quand on la tue à la fin, quand elle est en train de mourir, elle dit « Vous aurez besoin de moi », et ça c'est du futur. Vous aurez besoin de moi. Elle dit vous auriez eu besoin de moi. Elle dit pas ça, elle dit vous aurez besoin de moi, ce qui est du futur. Donc elle reviendra en fait. Et il y a de grandes chances, mais bon, ça c'est de la théorie personnelle. Moi après, concernant Lilith, je me suis pas trop planté, hein, mais il y a des chances qu'elle ait raison. Il y a des chances qu'on ait vraiment besoin d'elle après. Quand les seigneurs des enfers vont commencer à revenir les uns après les autres, que ce sera le bordel partout. Peut-être qu'en fait, ramener Lilith, ça nous aidera, hein, éveiller le potentiel Néphalem, tout ça, tout ça. Donc peut-être que c'est même nous qui allons ramener Lilith et qu'en fait elle avait raison depuis le début. C'est tout à fait possible et ça me semble être même la théorie la plus logique. Nous avons, mais bon, ce qui est sûr c'est que Lilith reviendra en fait. Après, est-ce qu'on va la ramener, ça c'est autre chose, mais Lilith reviendra. Maintenant, un autre cas de figure, celui-là est plus technique, Inarius. Et Inarius n'a pas de discours, semble à Lilith, concernant une déclaration au futur en mode « je reviendrai ». Donc, en plus, la fin, vraiment, c'est en mode « il pense avoir été abandonné par les cieux » et Lilith lui confirme qu'il a été abandonné par les cieux. Lilith lui arrache les ailes en disant que sa place est en enfer. Et qu'est-ce que cela signifie? Parce que ça reste assez cryptique. La dernière fois, vous pourrez me dire « mais le dernier qui s'est arraché les ailes est devenu humain, donc est-ce que ça veut dire qu'Inarius devient humain ?» La grande différence, c'est que Tyrael, quand il s'est arraché les ailes, c'est lui qui se les est lui-même arraché pour devenir humain. C'est pas du tout le cas d'Inarius, là c'est une torture, on lui arrache ses ailes, c'est très symbolique, arracher les ailes de l'ange, tout ça, tout ça. Donc là, c'est pas lui qui va... Pour moi, Inarius ne deviendra pas un humain, c'est possible que je me trompe, hein, c'est tout possible. Mais pour moi, le fait qu'un ange devienne un humain, Tyrael a été le premier, pendant l'éternel conflit, il y a de grandes chances que pour torturer un ange, on lui a arraché ses ailes. Pas pour autant que ça a créé un humain. Tyrael est le premier... Donc ça me semble être compliqué. Je pense que le fait qu'un ange devienne un humain, c'est un ange qui a choisi délibérément. Le choix est très important, le libre arbitre est très important pour devenir un humain. D'ailleurs l'humain est propre de l'humain dans l'univers de Diablo, c'est le libre arbitre. Donc ça me semble étrange qu'Inarius devienne un humain malgré lui. Donc qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que son essence... On sait que du coup les cieux lui ont fermé ses portes et que du coup il n'arrive pas à se... Enfin, il n'arrive plus à avoir le son des cieux qui lui parle. Est-ce que le fait de dire ta place est en enfer avant de crever, enfin c'est ce qu'a dit Lilith à Inarius avant de le tuer, est-ce que ça veut dire que son essence est bloquée? Genre il y aurait eu un système similaire de marquage et qu'en fait il retournerait dans sa prison dans les enfers? Ou alors bah son essence va se rematérialiser en enfer, dans les cieux pardon. Et à ce moment-là, il reviendra sous forme d'un nouvel ange, qui aura l'essence d'Inarius, donc une espèce d'enfant d'Inarius. Et pareil, n'oublions pas, ça c'est du vieux lore, mais n'oublions pas que Inarius est un archange à la base. Finalement, petit à petit, on a commencé à dire que l'Inarius est un ange, je rappelle que ce n'est pas un redcon, puisqu'un archange est un ange, donc appeler Inarius ange, c'est vrai.
Donc est-ce que on va réutiliser ce titre d'archange avec un approfondissement de la hiérarchie des cieux? Peut-être que, en fait, eh bien, on va découvrir que, je sais pas, les lieutenants des aspects sont aussi des archanges, et à ce moment-là, bah, Inarius, en tant que second de Tyrael, était lui aussi un archange. Mais surtout, et du coup, est-ce que, s'il revient, est-ce que ce sera sous sa forme enfant, on va dire, avec un bébé Inarius qui arrive après et qui n'est pas Inarius, ou est-ce que ce sera lui-même qui revient, qui se reconstitue parce qu'il y a cette espèce de règle d'archange qui revient tel quel. Mais ça, on n'en sait rien. Pour le moment, bah, on ne sait pas si Maltel... En vrai, Maltel va nous donner beaucoup de réponses là-dessus. Mais du coup, pour Inarius, eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il en est. C'est très trouble, très cryptique pour Inarius. Est-ce qu'il est bloqué dans les enfers? Est-ce qu'on va le... éventuellement, on pourrait même dire qu'il va peut-être être transformé en démon. Ça, j'y crois pas non plus. La transformation en démon, encore une fois, sous-entend un choix. Donc, je pense honnêtement au premier cas de figure, à savoir qu'Inarius va retourner dans les... En tant que... Il va retourner enfermé dans les enfers, là où était sa place à la base. Sachant qu'en plus, on n'a eu aucun élément sur comment Inarius s'est libéré des enfers. Ce serait assez logique de le retrouver à l'endroit où il devrait être. Et comme ça, on pourrait en plus détailler le comment il s'était libéré la première fois. Ça pourrait être l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Voilà pour ce qui est de cette vidéo sur le cycle de réincarnation des démons et des anges. J'espère que ça aura répondu à pas mal de vos questions. J'espère que ça a évité d'avoir des doutes. N'hésitez pas, si jamais vous avez encore des questions, à me les poser dans les commentaires, bien entendu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Bonsoir. Oui, c'est Mephisto. C'est une excellente question que le monsieur Chauve a posée. Il s'est libéré comment de chez moi, le petit con, là? Non, parce que, entre ma fille que je cherche depuis un moment pour lui faire le pampan cucu, et l'autre gland, là, mon gendre, il s'est libéré comment, là? Non, j'aimerais vraiment la réponse, hein. Non, parce que celui de la sécurité qui l'a laissé partir, je peux te dire qu'il va entendre parler de moi, hein.